programme à Grand Bassam. Bienvenue. Je suis Baro Audrey et vous suivez les trésors du monde sur RTI2. La carte postale, c'est maintenant. Grand Bassam est une ville historique et une ancienne capitale de la Côte d'Ivoire. Située à 43 km à l'est d'Abidjan, dans la région du sud Comoé, la commune de Grand Bassam est une sous-préfecture et le siège du département de Grand Bassam. La ville est située sur le littoral avec une façade sur l'océan Atlantique et une autre sur la lagune Ébriée. Avec une superficie de 12,41 km², Grand Bassam compte environ 83 576 habitants composés de Onzima, d'Abouré, qui se nourrissent de pêche, d'élevage, de commerce et de tourisme. C'est une ville riche de ses sites touristiques et historiques. Ce sont la maison Ganamé, les statues des femmes combattantes, le pont de la Victoire, le phare de Grand Bassam, la première boutique CFAO, le musée national du costume, le centre céramique, ses bâtisses coloniales et sa plage. Depuis le 3 juillet 2012, le quartier France de Grand Bassam, considéré comme le cœur historique de la ville, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La fête de l'Abissa demeure la principale richesse culturelle de la ville. Comment terminer cette carte postale sans mentionner le maire de la commune de Grand Bassam, M. Jean-Louis Moulot, qui est en parfaite harmonie avec sa population. Grand Bassam. Beaucoup d'histoires à retenir. Pour le menu du jour, je vais vous faire des cookies ou M&M's. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire des cookies ou M&M's et aux pépites de chocolat. Pour cela, il nous faudra 240 g de farine, 150 g de sucre roux, 100 g de beurre mou, 50 g de pépites de chocolat, 130 g d'M&M's et un œuf. D'abord, il faut préchauffer le four à 180 degrés. Dans un bol, on met le beurre mou, le sucre roux et on fouette jusqu'à ce que le mélange soit mousseux. Quand le mélange est mousseux, on ajoute l'œuf et on mélange au fouet. Quand on a fini de mélanger, on incorpore petit à petit la farine. Et si ça devient dur, on commence à mélanger avec la main. Termine en ajoutant les M&M's et les pépites de chocolat. On doit bien mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Et quand on a fini de bien mélanger le tout, on prend un peu de pâte dans les mains et on doit faire une boule et les disposer sur une plaque avec dessus du papier cuisson. Attention, il ne faut pas trop les coller, sinon quand ça va être au four, ça va se coller ensemble et on ne pourra plus les manger. Et quand c'est fini, vous devez mettre au four qui est déjà préchauffé à 180 degrés. Et laisser au four pendant 13 minutes. Délicieux. Vous êtes sur RTI2, vous suivez les trésors du monde. Derrière moi, le pont de la Victoire des femmes de Grand Bassam. Maintenant, Manon Olong avec Déborah. Bonjour chers trésors. Bonjour. Je suis Moussé Déborah. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques mots en bété d'Issia. Papaye en bété se dit vague. Vague. Manioc en bété se dit boui. Boui. Attention, plusieurs maniocs se disent bou. Bou. Mangue en bété se dit mangobo.
Ignam se dit si. Si. Banane se dit batte. Batte. Riz se dit sika. Sika. Maintenant, nous allons compter de 1 à 10 en BT. 1. Bolo. Bolo. 2. So. So. 3. Ta. Ta. 4. Mona. Mona. 5. Bu. Bu. 6. Gopro. Gopro. 7. Biso. Biso. 8. Bota. Bota. 9. Boumona. Boumona. 10. Kouba. Kouba. Nous allons apprendre quelques mots. Se laver mon boudou. Mon boudou. Manger lit. Lit. Dormir ngama. Ngama. Une voiture mobi. Mobi. Un chien gougogui. Gougogui. Un chat nyakouma. Nyakouma. Je vais voir si vous avez bien compris la langue. Qui va me dire quelques fruits en bété? Banane, batte, riz, seka, manioc, bouillie, mangue, mango boy. Un bon pour elle. Quelqu'un d'autre pour me compter de 1 à 5. Molo, 2, so, 3, ta, 4, mona, 5, bou. Un bon pour elle. Chers parents, apprenez-nous à parler notre langue maternelle. En plus, c'est facile. Merci à Déborah. Parlons nos langues maternelles, s'il vous plaît. Je vous encourage. Et je vous encourage aussi à suivre Eunice Kofi pour mon histoire. Bonjour, cher trésor. Je me nomme Kofi Eunice. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du matelas magique. Le matelas magique. La maman de Tilly lui a acheté un nouveau matelas. Regarde-moi, dit Tilly en riant et en sautant sur le matelas. Tilly, il est 8 heures. C'est l'heure de se coucher, fit sa maman. Tilly se mit au lit. À travers la fenêtre, elle vit des étoiles qui s'inclinaient dans le ciel. L'une d'entre elles brillait très fortement. J'aimerais bien attraper cette étoile, pensa Tilly à moitié endormie. Soudain, elle entendit un bruit étrange. Son matelas était en train de chanter. Saute, saute, tiens-moi bien fort. Nous allons faire des bonds toute cette nuit. Allons, en avant, cria Tilly. Le matelas fit un très grand bond. Il bondit par la fenêtre et sauta au-dessus d'un taxi. Oh là là, s'exclame Tilly. Et le matelas chantait. Saute, saute, tiens-moi bien fort. Nous allons faire des bonds toute la nuit. Le matelas atterrit sur le toit de la maison voisine. Saute, saute, tiens-moi bien fort. Nous allons faire des bonds toute la nuit. Alors, le matelas fait encore un grand saut et bondit sur le toit d'une grande immeuble. Saute, saute, tiens-moi bien fort. Nous allons faire des bonds toute la nuit. Puis, le matelas fit le plus grand de tous les bonds. Il monta si haut dans le ciel que Tilly pouvait voir les immeubles de la ville en dessous d'elle et au-dessus d'elle, les étoiles brillaient. « Attention, ne rentre pas dans cet avion !» hurla Tilly. Pendant qu'il se levait dans le ciel, Tilly pouvait voir son étoile qui devenait de plus en plus grosse et brillante. Elle était si proche de Tilly que Tilly pourrait l'attraper. Elle tendit les mains pour la prendre. Mais le matelas devient mou et se mit à tomber. Le lendemain matin, Tilly se réveilla à poing fermé. Quand elle ouvrit doucement la main, que vit-elle à votre avis? Elle entendit une petite voix qui chantait. Saute, saute, tiens-moi bien fort. Nous allons encore faire des bons cette nuit. Nous allons passer aux questions. Question 1. Quel est le titre du livre? Le titre du livre est « Le matelas magique ». Question 2. Quel est le personnage principal? Le personnage principal est Tilly. Lorsque Tilly se couche, que se passe-t-il? Le matelas se met à chanter et à voler. Quelle est la chanson que chante le matelas? Saute, saute, tiens-moi bien fort. Nous allons faire des bonds toute la nuit. Merci de m'avoir bien suivi, cher trésor. J'espère que vous avez aimé mon histoire.
Je vous encourage à beaucoup lire, ça développe l'intelligence. Au revoir. La musique est ma passion et les chants mon hobby. Voilà pourquoi j'aime le petit concert. C'est parti! Akamaya baemu ho, ako akamia yemu ho, yemazi blabu babu sieyo, okabamani mu banua ho. Yeah. Oh, we na zizi kekewa, nkewa ibu winyonkana. Atomi ya mbizi kaza, ebya ini ya iniga wablena. Yeah. Dibabuklo mawala ninyokana, okaba na wabuwiyo, okaba manaze dikmama. Akama mapi wana sebuse ya abuba sapi buyo wa sapi wa yei wa sapi wo obuba sa ya zekeneye wa sap ye wa wa sapi uyo. Zepe mama wa mao wa osapi wa yei wa osapi wo. La deuxième chanson est Seconde Chance de Dadju. Je n'ai pas toujours fait ce qu'il faut. J'ai promis des choses, mais les actes ne suivent pas les mots. Tout soustraire et partir à zéro. Ne me laisse pas devenir l'homme qui n'affronte pas ses défauts. Me dis pas qu'il est trop tard pour revenir. Et si l'histoire ne te plaît pas, on va changer de livre. Lève la tête, regarde-moi, on va s'en sortir. Dans tes yeux, je peux voir notre avenir. Donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance. Te péter, risquer, tomber de haut. Je ne peux plus voler avec une seule aile dans le dos. C'était pas la dernière fois que je fraude. Me prendre à me parfois, je te jure, c'est tout ce qu'il me faut. Laisse-moi faire le premier pas pour revenir. Si l'histoire ne te plaît pas, on va changer de livre. Lève la tête, regarde-moi, on va s'en sortir. Dans tes yeux, je peux voir notre avenir. Donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance.
Merci. Alors les enfants, nous sommes sur RTI2 à Trésor du Monde. Qui veut jouer? Qui veut jouer? On m'a dit qu'il y a des grands mathématiciens. Viens rapidement, mon garçon. Reste ici. Toi là-bas, viens ici. Viens ici, ma copine. Je vais les attraper. Viens rapidement. On lève. Y a qui? Viens, dépêche-toi. Toi là, on dit c'est toi quand on pose les questions à la maison. Tu réponds vite là. C'est toi, non? Oui, il est parti. Mets-toi ici. Voilà. Ça me fait ma deuxième équipe. J'ai besoin d'une fille ici. Viens rapidement. Oui. C'est pas toi, c'est ce qui est là-bas là. Viens rapidement ici. Voilà. Alors, on va rapidement. Hein. Chez lui, là, est-ce qu'il peut connaître ma question là? Lui, là, il ne peut pas connaître. Hein. Qui va venir à côté de lui pour l'aider? Viens, mon garçon qui est là. Voilà. C'est bien ça. On se dépêche. Toi, tu es en quelle classe? CE1A. Tu es au CE1A. D'accord. Donc, CE1A. 2 plus 2. 4. Chier, on applaudit pour lui. Hein? Chier. Faut prendre un biscuit à partir. Il est faux, hein? Et toi, tu es en quelle classe? CP1A. Yeah. Toi, tu es sûr que tu es au CP1A? Et puis, il baisse sa tête. D'accord? Il a posé une petite question. S'il ne trouve pas, tu l'aides. Hein? D'accord? 1 plus 0. Il y est, on applaudit pour lui. Lui, il est fort. Il y a des gens, mais il ne connaissait même pas. Va prendre un biscuit. Il y a qui encore? Il y a toi. Bon, toi, viens rendre ma question un peu dure. Tu es en quelle classe? CP2A. 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 2 plus 0. 2. Yeah! On applaudit pour elle. Hein? Va prendre un biscuit. Toi, il faut attendre un peu. Viens ici. Ici, là, moi, il ne fait pas addition. Il fait multiplication. 2 fois 1. 2 fois 1, 2. Chier, elle dit 2 fois 1, 2. Prends ton biscuit, on applaudit pour elle. Quelqu'un a dit c'est facile là-bas. Si tu attrapes, elle te pose une question, tu n'as même pas trouvé même. 0 fois 2. 0. On applaudit pour lui. Chier. Faut prendre un biscuit aussi, ou bien un jus. Lui là, quand on dit à mathématiques, il est toujours à l'école. Il reste lui maintenant. Toi, tu es en quelle classe? CE1A. CE1A. D'accord, attends, il va bien t'arranger. 2 fois 5. 2 fois 5, 10. On applaudit pour lui. Chier. Hein? Mais les trésors, là, ils sont forts. Hein? Il reste le dernier. Lui, là, il a fait division. Il a fait division, non? Il dit oui. En division, et puis addition, et puis soustraction. Il fait quoi? Addition. Il a dit le plus facile. De faire quoi? Multiplication. Il dit multiplication. Multiplication, multiplication. 0 fois 10. 0. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui. On applaudit pour lui. Va prendre jus avec biscuit. Il y a qui encore? Il y a prendre les vieux villas. Viens rapidement. Viens ma copine qui est là-bas. Alors on se met là. Dépêche-toi, dépêche-toi. Celle qui est là-bas. Viens, 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 viens. Oui. Fais vite. Mets-toi ici. Il y a qui encore? Viens, 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 viens. Viens, mon garçon. Dépêche-toi. Voilà. Ça fait un candidat, deux, trois, quatre. Je prends derrière ici aussi. Il y a qui? Toi, viens rapidement. Toi, toi, ça fait trois. Et toi là-bas, quatre. Viens, voilà. Mets-toi ici. Ici. Chier ici, là, ils sont vieux, vieux. C'est qu'ils sont au CM2. Hier, rentre ça à Dudu. Mets-toi ici. Mets-toi là, toi, mets-toi là. Mets-toi ici. Mets-toi là. D'accord. On va commencer ici. 2 fois 4. 8. On applaudit pour elle. Rapidement, on va prendre. 2 fois 5. 10. Frappe, elle m'a eu. 0 fois 3. 0. Va prendre rapidement. 2 plus 2 plus 2. Ça fait combien? 6.
On dit calcul rapide, il réfléchit beaucoup. Et puis il y a d'autres qui sont là-bas, ils sont là. 6, 6, 6. Est-ce que c'est 6? Est-ce que c'est 6? Est-ce que c'est 6? Oui. On applaudit pour lui. Il va prendre tout mon biscuit. Faut prendre biscuit avec jus. Et puis tu t'en vas. On est ici maintenant. Viens un peu ici devant. Voilà. Rapidement. Calcul rapide, hein. On réfléchit petit seulement. Alors. 3 fois 1. 3 fois 1, 3. Tu es. Est-ce que tu es obligé de répéter? Prends quelque chose et va t'asseoir. 3 fois 4. 3 fois 4, me fait 12. 10, ça me fait 12. Il a réfléchi la partie là. Va prendre quelque chose. 3 fois 5. 3 fois 5, ça me fait 15. Quand tu dis ça me fait là, tu réfléchis un peu. Va prendre quelque chose. Trois fois un plus deux. Cinq. Est-ce que c'est ça? Oui. Est-ce que c'est ça? Oui. On dit trois fois combien? Trois fois un. Trois fois un, ça fait combien? Trois. Plus combien? Deux. Ça fait combien? Deux. Non, mais tu es fort même. Va prendre rapidement un biscuit. Ils vont finir mon biscuit même. Ils vont finir mon biscuit. Alors, je finis rapidement pour un dernier tour. Je prends ceux d'ici. Viens, 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 ma copine. Dépêche-toi. Toi qui es là, viens. Viens. Ça fait trois. Restez là. Restez là. Fais vite. On fait vite. On fait vite. Alors, tu mets tes lacets rapidement. Viens, 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 toi. Viens. Il y a qui encore? Viens, mon garçon. Mais viens. Il dit, il ne veut pas venir même. Moi, il appelle, il dit, il ne veut pas. Il y a qui? Viens, mon garçon, viens, lui qui est à côté. Viens. Non, 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 attends, attends, non. Laisse les autres jouer aussi. Il y a qui d'autre? Viens, viens, viens. Et toi aussi. Il y a d'autres, j'appelle, ils ne veulent même pas venir jouer aussi. Alors, on commence par ici rapidement. 2 plus 2 plus 1. 5. C'est ça? 2 plus 2 plus 1, c'est ça? Oui. Bravo, on applaudit pour elle. Va rapidement, prends ton lot. Alors, 2 plus 10. Ça, c'est du 2 plus 10. La dernière fois, ma maman m'a demandé 2 plus 10. Il a dit 24. Et puis, elle m'a donné bonbon. On va voir si c'est ça. 2 plus 10. 12. On applaudit pour elle. Elle voulait la mélanger, mais elle m'a mélangé. Toi, là. Il vient d'abord. On pousse ici rapidement. 5 fois 5. 25. Tu es, on applaudit pour elle. 5 fois 2. 10. 5 fois 4. 20. Lui-même, il a comment il a dit, il m'a regardé, il a dit 20. Ma copine, toi, quand on dit de venir à l'école, c'est toi qui t'en vas jouer marraine tous les jours. Aujourd'hui, il t'a attrapé. Regarde devant là-bas. 3 plus 1 plus 1. Ça fait combien? 3. Attends d'abord. 3 plus 1 plus 1. 5. Elle dit ça fait 5. C'est ça? Oui. C'est ça? Oui. On fait du bruit pour elle. Yeah! Va prendre, va prendre, va prendre. Hein? Ouais, ils sont forts. Voilà. On applaudit les enfants. Voilà, c'est bien. Vous comprenez pourquoi on aime tous le petit concert merveilleux, moi. Suivant la chaîne de l'amitié avec tous ses trésors. Belle épouse Israël, j'ai 9 ans, je voudrais avoir des amis à Marseille. Je m'appelle Ryan Tietier, j'ai 10 ans, je veux avoir des amis à Barcelone ou Madrid. Coucou, je m'appelle India Iriana, j'ai 10 ans, je suis en classe de 6ème 2, j'aime le chant et j'aimerais avoir des amis à Grand Bassam. Salut, je m'appelle India Lenoir Akissi Laura, je suis en classe de CE1, j'ai 7 ans, je veux avoir des amis en France. Salut, je me nomme Kudo Divine Chloé. J'ai 8 ans, je suis en classe de CENC. Je vais avoir des amis en Russie et en Suisse. Salut, je me nomme Aka Mezen Eliakim. Je suis en classe de CM2, j'ai 10 ans. Et je veux avoir des amis en France et en Croatie. Salut, moi c'est Aka Roxane. Je suis en classe de 5e 2, j'ai 12 ans. J'aimerais avoir des amis en Tunisie. Je me présente Dosso Kadimaela.
J'ai 6 ans, je suis au CP2. Je voulais avoir des amis en Europe. Je m'appelle Lone Aloua Yedidia Gal. J'ai 5 ans. Je veux avoir des amis au Sénégal. Bonjour monsieur. Bonjour ma fille, comment allez-vous? Ça va. Ah, ils sont mignons vos petits sacs. Merci, c'est gentil. Combien ils coûtent ce sac? Ce sac, allez, je vais laisser à 6 000 francs, allez. Ah, mais vous inquiétez pas, je sais tous les prix, c'est à 5 000 francs ce sac. Oh là là là, bon, je vais faire une belle remise pour vous, ma fille. Y'a pas de problème, t'inquiète, je vais faire un super bon prix. Merci, monsieur. C'est gentil. Allez, tu vas prendre à 5 000 francs, c'est bon? Oui, merci, au revoir. Ok, c'est gentil. Coucou à tous et trésors. Quant à moi, c'est ici qu'on s'arrête. Ça a été un réel plaisir. Je vous aime, bye.